Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça va de bon de comment on appelle ça? Intro bombé, mes intros. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Cette fois-ci, salut Prinka. Cette fois-ci, Freya est là. Incroyable. Bonsoir. Voilà, bonsoir à toi. Elle ne nous a pas plantés. Pour une fois. Et on peut la remercier. Non, non, il y a eu des. Il y avait des vraies excuses. Des sur Ne place. pas me remercier. On peut ne pas la remercier. Voilà. Donc effectivement, on ne la passera pas à la guillotine. Salut Parasoul. Mais voilà. Donc on n'attend plus que. Donc on a Freya qui est là, on a Lorvac qui est là, on a Barthélemy qui est là. On n'attend plus que Stéphane. Stéphane. Et ça manque de musique tout ça. Et c'est très très fort. Ok, merci. Donc. On va patienter quelques minutes. J'essaie de le contacter parce que ça serait quand même con que le jour où on récupère Freya, on perd Stéphane. Moi, je pars 30 secondes chercher le. Donc oui, je disais, rassure-moi Freya, tu as regardé les rediffs. Oui. Très bien. Donc on va faire un petit récap. C'est Freya qui va faire récap, non je rigole. Non. On va faire un petit récap des quelques derniers épisodes qui se sont passés, puisqu'il y a eu aussi, entre-temps, un autre épisode un petit peu hors série sur ce qui se passe sur le navire en même temps, avec les autres joueurs, Kalis et Elsin. Outre ces magnifiques aventures qui continuent d'ailleurs hors stream, et donc vous allez un petit peu découvrir lorsque les joueurs reviendront au navire, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plein de choses, il se passe encore des choses, enfin ça va être incroyable. On a encore changé de second, de capitaine. Ah, il y a des chances. De toute façon, en plus, oui, t'as vu cette rediff là, donc tu le sais. Oui. Ça, tu le sais. Effectivement, après avoir débarqué en Empire Nobu, avoir un petit peu été mis à mal dès la première ville dans laquelle ils ont dû rentrer, nos joueurs, c'est un peu violent pour faire un récap, j'ai du gros heavy metal derrière, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Nos Oh. aventuriers ont donc eu l'aide de Vartan, un allié inattendu, puisqu'il était censé rester sur le navire, mais il est apparu de nulle part, a détruit les portes de la ville de Haïmi afin de laisser nos aventuriers s'échapper. S'échapper avec donc déjà leur équipe de. Classique, hein, l'équipe habituelle, donc est composée de Stéphane, Freya. Barthélemy, Lorvac, ainsi qu'ils sont accompagnés aussi de Raito et Garrett. Garrett, évidemment, le fameux Garrett. Et en chemin, ils ont rencontré un certain nombre de personnages, en particulier dans les geôles de la ville, qu'ils ont libérés. Donc il y avait parmi ces gens-là, ceux qui les ont accompagnés, il y avait un marchand qui s'était fait capturer et qui s'appelle donc Grim Marivaldi. Voilà, donc pour l'instant. Reste de sa vie est un mystère, et un homme d'équipage de Marnid qui s'appelle Valentine, qui donc les a accompagnés aussi. Ils se sont enfuis grâce à l'aide de Vartan et ont rejoint un petit village sans nom dans lequel ils ont aidé les habitants, puisque le village, lorsqu'ils sont arrivés, était en train d'être attaqué par des soldats. De la Horde de l'Or, on va apprendre un petit peu plus ce que sont les Hordes aujourd'hui. Cette Horde de l'Or cherchait à recruter des soldats. Les joueurs sont intervenus. Ils ont aidé donc un genre de moine qui fait des arts martiaux à défendre le village, avec succès. Grand succès d'ailleurs, ce qui était impressionnant, parce que malgré l'absence de Freya, qui d'habitude. Et celle qui envoie les patates.
Et donc, malgré l'absence de Freya, ils ont réussi à repousser les soldats. Et on rejoint le monastère et le maître du moine qu'ils ont aidé. Donc le moine qu'ils ont aidé s'appelle donc Takeo. Et ils ont rencontré Lei Feng, le maître de Takeo, qui semble avoir beaucoup de choses à leur dire. Donc c'est avec ça que nous allons démarrer notre session, avec donc la rencontre de Lei Feng. Ah oui, ils ont rencontré aussi, j'ai oublié ça, Sho, un SDF dans le village qu'ils ont rencontré et qui les a logés et nourris une nuit dans le village. Donc Sho qui semble être quelqu'un de fort sympathique. Et donc voilà. Donc les gens ont décidé d'aider le village, de jouer les gentils. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans le monastère avec Lei Feng. Donc alors je regarde si notre ami l'Exode n'est toujours pas là. Donc on va attendre peut-être quelques minutes. Et si d'ici un certain temps l'Exode n'est toujours pas revenu, eh bien écoutez, on démarrera sans lui. Tant pis pour lui, comme on dit, les absents ont toujours tort. Sinon, on peut peut-être éventuellement parler un petit peu des évolutions de vos personnages, puisque certains ont déjà dépensé des points d'expérience. Puisque à la fin des sessions, je donne aux joueurs. J'allais presque te demander justement, je me souviens plus exactement comment ça marche. Donc à la fin des sessions, j'ai donné à plusieurs, donc à la fin de chaque session, des points d'expérience aux joueurs qu'ils ont pu dépenser ou pas d'ailleurs, visiblement. Et je voulais faire un petit tour justement de quels sont comment est-ce que vous avez évolué. Donc je sais que Lorvac, tu as, je crois, fait des choses, non? J'ai la maîtrise profonde de l'air maintenant. D'accord. Et j'ai gagné un niveau de tradition cri. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Effectivement, dans la tradition cri, qui est un petit peu les techniques de danse. Très, très célèbre de Lorvac. J'ai gagné un point d'endurance. Et la magie profonde de l'air, donc la maîtrise profonde de l'air qui permet de réduire de 1 le coût de tes sorts liés à l'air et d'avoir un sort très puissant que. Je sais plus si tu l'as utilisé la dernière fois. Non. Non. Ouais, c'est ça. C'est donc un petit peu un sort ultime qui. Comment je voulais l'utiliser, c'était qui te cher. Permet, qui s'appelle Airbender, c'est ça? Ouais. Qui te permet donc d'amplifier l'échelle des sorts d'air que tu utilises. Barthémélie, donc toi, je vois que tu as 10 points d'XP, tu ne les as pas utilisés, j'imagine. Oui. Je vois aussi que, je sais pas pourquoi, tu as 8 sur 11 ici en magie. Parce que de base j'ai mis beaucoup. De base t'as mis beaucoup? Oui, de base j'ai mis 8. Ouais, mais normalement c'est 8 sur 10. T'as triché. À moins que t'aies monté un niveau en magie, mais ça m'étonnerait. Ah si, c'était peut-être ça. T'avais gagné de l'XP en magie? Parce qu'après, il faut pas confondre XP de compétences et XP général. Oui, oui, les XP de compétences, c'est ce que tu dépasses en critique. Ouais, c'est ça. Non, bah ça doit être 10. Ouais. Ouais. Freya, est-ce que tu as dépensé des points d'XP? Non, je me sens comme en contrôle de physique sans avoir révisé. Je réfléchis, je sais pas où mettre mes. D'accord, parce que je vois. Je sais pas, je vois en sur XP, c'est marqué. T'as marqué 1 plus 2, je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est des points. D'accord. Mais donc, si t'as 1 plus 2, normalement, vu que vous en avez gagné plus d'une dizaine, t'as dû en dépenser déjà.
En tout ou sur les deux dernières Depuis depuis le début, non, depuis le début. Ah oui, j'en ai déjà mis dans. D'accord, et eh bien dis-nous qu'est-ce que comment ton personnage en quoi c'est ton personnage qu'est-ce s'est amélioré? ou qu'est-ce... Bah, j'ai rien de maxé pour l'instant donc. Ouais, ça nous dit pas où tu lui as mis tes points. En kek et en endurance. Encore et à corps en en endurance et en agilité. Encore à Ok, corps très bien. en endurance, en agilité, parce que agilité, j'ai. Très bien, très bien. Bah écoute, Barthélemy, je vois que si tu veux, si vous voulez dépenser des points, d'ailleurs, c'est le moment. Si vous voulez faire un petit point amélioration de personnage, tant qu'on n'a pas de nouvelles de l'exote, c'est le moment. Ouais, moi j'hésite Ah, je viens sur tout juste la d'avoir un forme de message de golem. l'exote qui dit j'arrive. Ouais, forme de golem, c'est stylé. Ah, c'est indépendant de la profonde compréhension. Oui, bien sûr. Oui. Parce que j'hésite entre la profonde compréhension de la magie de l'eau Ouais. et la forme de golem de métal. Parce que la magie de l'eau, c'est ce que je vois comme étant une magie beaucoup plus subtile pour faire des sorts bien précis. Et la magie de métal, celle beaucoup plus brutale que j'utilise. Mais je suis une connasse Pique en des fait. fameux pics Pourquoi défensifs. j'ai mis ça en tir? C'est ça. Mais justement, d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais bien évoluer, enfin, changer un peu mes sorts. Ouais, j'avoue, est-ce qu'on peut Je peux pas modifier avoir les de sorts sorts ou... supplémentaires, il faut que j'en remplace un, hein. Je peux en avoir que 6. Tu peux en avoir autant que t'as ton score de magie. Ah, donc je peux en avoir plus. Parce que j'ai 8 en magie. Là, pardon. J'ai J'avoue, 8 en les magie. sorts qu'on a, on peut les changer ou on est obligé de les garder. On peut oublier un sort. Et du coup, Absolument. en apprendre un nouveau, tu vois. Et en apprendre un nouveau. Et il faut un peu de temps, le temps de l'apprendre, quoi. Il faut du temps. T'es comme un Pokémon, tu as que 4 capacités possibles, c'est ça? Exactement. Bah, du coup, si j'ai 8 en magie, je peux en avoir 8. C'est ça? Si t'as 8 en Oui. magie, oui. Ah, donc je peux en apprendre 2. Et si t'es. T'as des spé. Non, t'as pas de spécialité, toi. Alors c'est pareil, hein, moi, avant que tu commences à acheter des compétences, je te conseille fortement de spécialiser des compétences. Du genre la magie. C'est quoi déjà ça? Ça coûte 3 points C'est où? d'XP. Et ça fait que au moment de lancer des compétences, enfin des jets dans cette compétence-là, au lieu de lancer un des 10, t'en lances deux. Ah oui. C'est indispensable. Oui, tu doubles quasiment tes scores. En moyenne, tu doubles tes scores. Exactement. Tu fais beaucoup plus de. Alors tu gagnes moins d'XP du coup quand tu fais des critiques. Tu gagnes la moitié d'XP, mais tu fais beaucoup plus de critiques. Oui, c'est carrément Et des critiques ça vaut positives. carrément quoi. C'est carrément rentable. Hein. C'est probablement les 3 points d'XP les mieux dépensés que tu feras. Et quand tu spécialises deux compétences, tu gagnes un pouvoir que tu peux qui dépend en fait des deux que tu as spécialisés. Donc il y a un tableau à la fin du livre de règles. Si tu veux voir le détail. En vrai, moi, je suis chaud pour oublier un sort et le remplacer. On a le temps, on le fera après. Ça, Bonjour. alors, en fait, tu peux pas Je gérer, réponds tu pour peux pas une changer autre. tes sorts hors de la partie. En fait, faut voir ton grimoire de sorts comme vraiment un grimoire, si tu veux, dans lequel tu vas écrire ou effacer des pages et des trucs comme ça, tu vois. Et donc, si tu veux modifier tes sorts, ça, c'est à faire dans la partie. Là, on est vraiment sur quand tu dépenses tes points d'XP, tu peux pas toucher au sort. J'ai une question. Oui. Est-ce que j'ai le droit de réattribuer les points que j'ai déjà attribués avant parce que j'ai fait la connasse et j'ai fait n'importe quoi avec mes points de compétence? Genre, T'as j'en ai fait quoi? mis 6 en. Au lieu de tout mettre dans quelque part, j'en ai mis partout. Et du coup, j'ai rien de. Qu'est-ce que t'as Et j'ai fait? rien d'utile. Ben, j'en ai mis en tir alors que au final, c'était pas Mais une t'as deux en tir. J'ai pas dit bonjour! 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 Ah, il est là! Bonjour! Je suis méga en retard, c'est Mais terrible! t'as deux en tir, t'as Super! pas mis de points d'XP, Freya. Bah, si, c'est non. Ah non, les loups-garous, ils démarrent avec deux en tir. Ah, les hommes bêtes. En tir, oui, mais en tir, j'ai 6. Mais non, ça c'est l'XP de critique, ça. Oh là là. Elle a dépensé ses points n'importe comment, elle a mis dans les mauvaises cases.
Ouais, bah c'est ça. Bravo. C'est dans les cases, c'est dans la colonne de gauche qu'il faut mettre les points d'XP. Mais ça monte super vite, du coup. Bah oui. <C'est>... oui. Je disais, il y a rien qui monte, c'est bizarre. Mais, bah, sinon, ça serait très très long. Ça serait une très longue partie. Ça serait très très long. Ah oui, d'accord. Ouais. Elle a mis dans les... Ah, ok, d'accord. Non, la colonne de droite, c'est quand tu gagnes, quand tu fais des critiques, tu gagnes des points oui, que tu remplis. J'ai fait des critiques en cac en plus, c'est ça le pire. Je vois que t'as 15 là en XP de critique de cac, donc je pense que ça c'est bon ça. Mais par contre, je pense que et vu que t'as 7 en cac, je pense que t'as effectivement mis des points d'XP donc en cac c'est bon. Oui. Par contre, en tir, effectivement, je crois pas que t'aies déjà fait des jets de tir, donc les 6 non. Là, ça n'a rien à faire là. Les 10 en agilité. Et pareil, aussi. Je vois, t'as 1 en endurance. Là, normalement, tu devrais avoir 4 en fait. Là. Et en agilité, peut-être pareil, oui. C'est quoi la différence entre les seuils de colonne de gauche et de droite dans les compétences? C'est le même. Non, le seuil, c'est le même. C'est juste qu'il y a colonne de gauche, c'est seuil, et colonne de droite, c'est 5 fois le seuil. 6. Ça veut dire que j'ai 6 points d'XP. C'est quoi le 5 fois le seuil répartir, là. Bah, 5 fois, c'est seuil x 5. Oui, mais ça sert à quoi? Bah c'est une fois que t'as atteint cette valeur, tu gagnes un niveau. Ah oui. Du coup le seuil le premier c'est quoi? Bah le seuil le premier c'est la valeur maximale de ta compétence. Ah oui. En fait c'est quoi qu'il faut que je monte? C'est la valeur max ou le... Non, tu montes la valeur dans la colonne de gauche. Pas la valeur max. La valeur max tu peux la monter. La valeur de max tu peux la monter que en gagnant des points d'XP en faisant des critiques. Mais j'en ai gagné des critiques. Eh bah écoute, dans ce cas-là, ce que t'as qu'à faire, c'est que t'as qu'à re-regarder tous les épisodes et tu retrouves tous les moments où t'as fait des critiques. Et après, tu me fais une petite fiche et tu me dis et voilà. La dernière fois que j'étais là, j'ai fait plein de jets critiques contre le. C'est en fin de campagne qu'ils vont voir comment ça marche. Exactement, Parasoul. Même vous deux, vous avez compris ça plus vite. Alors que lui, il joue depuis plus longtemps. Ah non, mais moi, je suis un cas, hein. Laisse tomber. Oui, non, mais ouais, on avait compris. Hein. Avec toi, ça a toujours été. Je crois que je sais plus quand on avait joué avec toi, tu sais, Freya, on avait fait avec toi, tu sais, une partie avec le système basique là. Ouais. Ça marchait bien, enfin ouais. Tu comprenais ce système ou pas? Oui. Ouais. C'est depuis que les règles ont changé que j'ai perdu. Bah les règles de Victoria ça a toujours été celle-là. Par contre avant on avait quand on avait fait le JDR, tu sais, on avait fait le JDR japonais là. Oui. Avec le système où il y a plein de compétences. Ouais, ça allait, je sais pas pourquoi. C'est l'univers que je sais pas. Ouais, c'est ça. Ok. Faire du QI en jouant du Joker, donc, en fait. Stéphane, t'as raté le recap. J'espère que tu te souviens de ce qui s'est passé. Je vais spécialiser. J'ai une mémoire de ouf. Très bien. On a fait ça avec tout le monde. Stéphane, on va le faire aussi avec toi. J'ai demandé un petit peu pendant que t'arrives à tout le monde comment est-ce que les personnages se sont améliorés. Donc toi, dis-nous comment est-ce que vous avez gagné des points d'XP au fur et à mesure, et où est-ce que ton personnage s'est amélioré, sur quel point, qu'est-ce qu'il a gagné en compétences, etc. Il a gagné de l'endurance à force de monter des marches. D'accord. Effectivement, je vois qu'il est maxé en endurance. Et il a gagné de la force et du combat rapproché. D'accord. Donc effectivement, il s'est endurci quoi. Voilà. C'est bien endurci. Il est tellement plus intelligent. Mais il s'est bien endurci. Effectivement. Ok. Bah parfait. On va passer sur l'écran de jeu et nous allons pouvoir démarrer notre partie. Du coup, je spécialise la magie. T'es spécialiste de la magie. Ok, très bien. Ouais. Je le marque où Alors tu soulignes ou tu mets en gras ta compétence magie. Ok. Voilà, comme ça. Ok, donc la dernière fois, effectivement, nous nous sommes arrêtés. Qui c'est qui lance des trucs dans le... L'Orvac, calme-toi avec tes jeux de dés, là, et puis Stéphane aussi, là. Un D3000. Une boule. C'est ça, c'est une gigantesque sphère de la taille de la Terre. C'est quand les dieux ils jouent au dé, ils lancent des D3000. Dieu ne joue pas au dé. Ah bon, t'es sûr? Qui es-tu pour savoir tort. Ce que Dieu fait? C'est ça. C'est Einstein qui l'a dit. Qui l'a dit, mais il se trouve qu'il avait tort.
Donc effectivement, vous avez été recueilli. Donc vous êtes avec toute votre petite troupe là. Donc il y a Vartan, il y a Grimaldi, le marchand, il y a Valentine, l'homme de Marnid, il y a Raito, il y a Gareth, et puis vous quatre. Et il y a Shaw aussi, le clodo. Shaw le clodo, ça rime en plus. Et vous êtes aussi avec Takeo, le moine qui... mais arrêtez, on entend les bruits là de l'ancêtre D là. Un plus un. Et donc Takeo, le moine que vous avez aidé la dernière fois, est avec vous aussi. Et vous êtes dans le monastère du Lotus Bleu. Demeure de Leifeng, le maître du temple, qui vous a accueilli chez lui en toute générosité, qui vous a servi à manger, vous a donné des chambres aussi, vous avez eu le temps de vous laver, de vous changer. Ça faisait longtemps. On vous a donné d'ailleurs des vêtements propres. De regagner des points de magie. Et des vêtements qui sont des vêtements typiques de l'Empire Nobu, donc ils vous font peut-être passer un peu plus inaperçus. Et vient l'heure du repas, donc Leifeng vous convie au repas. Et vous avez dit que vous aviez beaucoup de choses à vous dire. Et puisque je rappelle, vous êtes à la recherche d'un dragon. et ce dragon, pourquoi vous le cherchez? Parce que vous avez besoin de sa flamme sacrée, qui normalement est censée vous permettre d'allumer une forge et de faire un tas de choses incroyables. Oui, le dragon. Le dragon. Donc, vous êtes à table, donc il vous sert à manger. Alors bon, c'est très basique, hein, c'est un petit ragoût avec civet de lapin, tu vois. Et du riz. Ah, je suis végétarien. Et du riz, effectivement, et du riz, oui. T'es végétarien, bah il y aura que du riz pour toi, alors. Non, mais non, lui dis pas, tu laisses ton civet pour moi, t'inquiète. Ah oui, de toute façon, il n'y a pas de gâchis, hein, ici. Donc, effectivement, Leifeng vous aborde un petit peu le sujet. Le repas démarre dans le silence. Il vous dit... alors, dites-moi. Vous dites être venu chercher un dragon. Mais sachez que votre tâche risque d'être compliquée, dangereuse. Déjà vous savez pourquoi est-ce que vous cherchez ce dragon? Pour avoir le feu. Sa flamme. Par sa flamme. On a besoin d'allumer un très gros briquet. D'accord. Alors, je ne connais pas très bien les légendes sur ce dragon. J'en sais deux ou trois choses. Je sais en particulier que ce n'est pas réellement un dragon. Comment ça? Que c'est une bouivre. Non, mais les dragons sont morts lors de la guerre des dragons, donc ça ne peut pas réellement être un dragon. Mais on pense que c'est une créature qui a obtenu les pouvoirs d'un dragon et son apparence. Ah, le dragon. Donc c'est relativement similaire à un dragon, mais il est moins puissant qu'un vrai dragon, parce que je rappelle que les vrais dragons étaient des dieux, donc clairement pas prenable par des êtres mortels. Pourquoi ils sont morts alors? Pardon. Parce qu'ils ont été tués, ils se sont entretués effectivement. Enfin, ils se sont pas vraiment entretués entre eux, mais entre dieux ils se sont entretués, et les dragons sont morts tués par d'autres dieux. Quoi qu'il y a certains dragons qui se sont entretués. Enfin bref, c'est compliqué. Si vous voulez poser des questions sur la guerre des dragons, vous pouvez en parler avec Vartan, il connaît très bien la guerre des dragons. Vous pouvez acheter mon livre. Aussi. Je sais que t'allais dire ça, ouais. Là il vous dit, mais tout d'abord, pour bien comprendre comment ça va se passer, il faut que je vous parle de la Horde Nobu. Donc, parce que vous êtes des étrangers, sauf Raito, mais il faut bien que vous compreniez comment ça fonctionne ici. Donc, la Horde Nobu est dirigée par le Khan Nobu, qui vit Gengis. À... Non, il s'appelle Kazuya. Il s'appelle pas Gengis. Donc le Khan vit à Taiyo. Taiyo, c'est une immense cité qui est construite dans une montagne. Dans la Horde Nobu, en fait, la Horde Nobu est constituée de 5 hordes.
Donc vous l'avez déjà aperçu hier, il y a la Horde de l'Or, qui est l'armée principale, on va dire, de la Horde Nobu. C'est, ils vivent principalement au nord-est, dans la région de Mori, ils pratiquent le tir à l'arc à cheval. Ils élèvent des chevaux et tout ça. Enfin, c'est leur spécialité, l'archerie montée. Ils sont très très forts là-dedans. Voilà, c'est le gros de la Horde Nobu. Ensuite, vous avez la Horde Blanche, qui vit au sud-ouest, dans la région de Jian, qui représente un petit peu les clans nobles de la Horde Nobu. Il manipule un art qui s'appelle le Muan Dao, qui est l'art du combat à l'épée ou avec différentes armes, mais qui est considéré comme un art noble, que en fait les membres de la Horde Blanche passent des années de leur vie, toute leur vie en fait, à s'entraîner, voilà. Un petit peu comme nous, j'y reviendrai plus tard. Ensuite vous avez la Horde Noire, qui vit au sud-est, dans les montagnes de Yoru. La Horde Noire est un peu particulière puisque personne ne les a jamais vraiment vus. On sait qu'ils sont là. Hein. Mais ils ont un dragon. Alors non, ils n'ont pas de dragon. J'y reviendrai plus tard au dragon. En gros, ce sont des guerriers de l'ombre extrêmement habiles. Ils ont la particularité qu'ils n'obéissent qu'à la voix de l'empereur. Et les légendes racontent qu'il y a constamment... Je dis bien constamment, un membre de la Horde Noire aux côtés de l'Empereur, mais personne ne sait qui c'est. Et en fait, il suffit que l'Empereur dise un ordre à voix haute, et la Horde Noire l'exécute. Donc ce sont des guerriers de l'ombre, et on raconte qu'effectivement, tous les gens qui ont croisé leur chemin ne sont jamais revenus vivants pour en parler. L'Empereur, le Khan. Oui, le Khan. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc la Horde Noire, voilà, c'est ça. Ensuite, il y a la Horde en Haillon, c'est nous. Ce sont les moines qui vivent au nord-ouest, dans la région de Kuzai. Donc nous, on pratique un art qui s'appelle le Muan Kai, qui est un art de combat à main nue. Et la Horde en Haillon a été créée pour défendre les intérêts du peuple. Donc nous, en fait, on n'obéit pas au Khan, on obéit à notre propre code d'honneur qui est de défendre les intérêts du peuple. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque la Horde de l'Or a commencé à piller les terres à l'ouest pour ramener plus d'argent au Khan, nous, la Horde en Haillon, nous sommes rebellés et nous avons été écrasés par la Horde de l'Or. Qui du coup a détruit une grande partie des monastères. Aujourd'hui, la Horde en Haillon subsiste à travers quelques monastères qui ont décidé de retourner du côté de l'Empereur. Et il y a quelques monastères comme le mien qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Mais effectivement, nous ne sommes plus qu'une poignée à continuer et à pratiquer notre art du Muan Kai. Qui pareil est un art au combat à main nue que nous pratiquons et que nous perfectionnons de génération en génération. Et pour finir, il y a la dernière horde qui est la plus étrange, la plus mystérieuse, la Horde de Cendre, qui est une horde qui obéit uniquement... Enfin, ça c'est des hypothèses, puisqu'en fait les apparitions de la Horde de Cendre coïncident toujours avec les apparitions du dragon. Talon. Donc on pense que la Horde de Cendre est à ses ordres. La Horde de Cendre, ce ne sont pas des êtres vivants, ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des créatures faites de cendres, c'est pour ça qu'on l'appelle la Horde de Cendre. Waouh, original. En fait, de cendres et de braise, on va dire. On raconte que ce sont en fait les âmes des guerriers tués par le dragon. Qui viennent grossir les rangs de son armée à chaque fois. Et qu'il peut invoquer la Horde de Cendre partout où il passe. Voilà pour le contexte de là où vous mettez les pieds, pour que vous compreniez bien à quoi vous vous attaquez.
Et donc, bah, si votre cible c'est Gortalon, vous devez évidemment faire attention à la horde de cendres. Mais je vais être honnête avec vous. Il a un nom, le dragon ? Il s'appelle Gortalon. Je vais être honnête avec vous, je ne pense pas que le dragon soit vincible. En tout cas pas par un groupe de mortels sans une armée digne de ce nom ou voilà. On veut pas le tuer, on veut qu'il aille souffler sur un truc. Oui, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que votre meilleur atout. Il brûle une maison, bah, c'est bon. Je pense que votre meilleur atout, effectivement, c'est d'essayer de dialoguer avec lui. Le problème, c'est que. Ou alors lui faire brûler un village. Le problème, déjà, c'est qu'il faut que vous le trouviez. Faire quoi ? Il faut que vous le trouviez et il faut que vous le convainquiez. Et pour ça, je pense que je peux vous donner une piste. Je connais une sorcière. Un filtre d'amour. Ça marchera probablement pas sur lui. Je connais une sorcière qui vit à Kuzai, qui est probablement la sorcière la plus puissante que je connaisse, qui vit dans la forêt sacrée de Kuzai, et c'est le roi corbeau. Donc, petite parenthèse, l'or, le roi corbeau, ceux qui sont les plus religieux d'entre vous, et en particulier ceux qui vénèrent des déesses comme la déesse de la nature ou la déesse de la faune et de la flore, enfin de la faune plutôt. Oui, moi. Et ben, vous connaissez très bien le roi corbeau, parce que le roi corbeau, c'est une entité un petit peu mystique, un petit peu étrange, voilà, qui est un petit peu l'incarnation, enfin qui est le protecteur et la représentation du pacte fait entre Mashka et Magni, les deux déesses de la faune et de la flore. Et il y a un petit truc qui vous tique, c'est que à Alcabia, on raconte que le roi corbeau vit dans la forêt sacrée de Springwich. Et là, vous avez quelqu'un qui vous dit que le roi corbeau vit dans la forêt sacrée de Kuzai. Et donc, en gros, si vous voulez, le roi corbeau, si vous voulez, c'est un petit peu un genre de grand prêtre, si vous voulez. Les gens font des pèlerinages pour aller le voir. Ou j'adore tout ce qui est prêtre. Ou la voir, puisqu'en l'occurrence, bah, vous apprenez que Leifeng vient de vous apprendre que c'était une femme. Donc il vous dit effectivement alors attendez deux secondes, je vais ouvrir ma fenêtre parce que c'est extrêmement chaud. C'est chaud bouillant. Et donc il vous dit pour une raison. Merde, je suis en train de taper dans mon micro. Ça va faire du bruit. Pour une raison que j'ignore enfin que j'ignore en partie, je connais pas exactement tous les détails. Il se trouve que le roi corbeau a un genre d'obsession pour Gortalon. Elle le traque depuis des années. Et je sais pas exactement pourquoi, mais voilà, c'est le cas. Donc moi je serai vous, j'irai à Kuzai. Et je demanderai de l'aide au roi corbeau. Oui. Pourquoi on l'appelle roi si on sait que c'est une femme ? Parce que c'est le titre s'appelle comme ça en fait. D'accord. Parce qu'elle est Andromaque. Je pose pas de questions. Ok. Non, ok. On dit pas du tout Andromaque. Et un petit sondage pour le chat. Et du coup, on y va ? Bah là c'est la nuit donc si vous voulez partir de nuit vous pouvez mais moi je vous conseille de manger, de dormir c'est vrai et puis ça fait longtemps que j'ai pas prié, je devrais faire ça. Et alors j'ai prier. Plusieurs choses d'ailleurs pour vous mes chers amis. D'abord oui. Si vous acceptez je vous propose l'aide de Takeo pour vous accompagner dans votre périple. Donc Takeo est mon seul disciple, donc je vous prierai de bien prendre soin de lui. Mais il est expérimenté au combat et en diplomatie et tout ça. Donc comme vous avez été très généreux envers le village, je pense que faut qu'on vous rende l'ascenseur. Enfin, l'ascenseur, je sais pas ce que c'est un ascenseur, mais j'utilise cette expression-là comme ça. Qu'il faut qu'on vous renvoie l'appareil et Et donc je vous propose l'aide de Takeo si vous voulez bien l'accepter. Oui. Parfait. Eh bien oui.
En plus de ça, j'ai un dernier cadeau pour vous. Et il sort une petite amulette qui, comme ça, a l'air de pas grand chose. Et il vous dit, voici une amulette de traduction. C'est une amulette qui, lorsque vous la portez, permet donc à celui qui la porte de toujours comprendre la langue de son interlocuteur, de toujours parler dans la langue de son interlocuteur, justement. Ça marche. Non, j'ai déjà vu la même chose avec des poissons. Avec des poissons. Ça marche avec les dragons ? Bah le dragon parle notre langue. Ah ok, bah je pensais qu'il parlait le dragon. Mais bad. Après, les vrais dragons parlaient la langue des dieux. Oui, donc c'est vrai, c'est pas un vrai dragon. Voilà. Après, je vous avoue que j'ai jamais eu l'occasion de la tester avec la langue des dieux. Parce que j'ai jamais parlé à un dieu. Écoutez, on verra bien. Bah écoutez, si vous pouvez faire le test et me dire, moi ça me va très bien. Je suis preneur. Bonjour, je suis l'amulette magique. Ok. Bon. Elle parle. Donc là, elle s'appelle Google. Oh mon dieu. Donc, qui prend l'amulette? Est-ce que vous la prenez déjà? Oui, moi je prends l'amulette. Prends l'amulette, Stéphane. Ah merde. Ah non, pas moi, je parle déjà pas bien ma propre langue. Moi j'aimerais bien. Moi je suis pas forcément doué pour ce qui est dialogue, donc voilà. Donc c'est Barthémélie qui la prend. Je suis à capuche, c'est celui qui danse. Ok, donc Barthémélie prend l'amulette. Vous mangez copieusement et faites votre petite prière du soir, j'imagine, comme c'est toujours... La prière. La prière, donc très bien. Bah lancez les D4, hein. Vous connaissez la chanson. Et pourquoi tu t'as lancé en explosif, Stéphane? C'est pas un explosif. Parce que c'était rigolo. Donc, vous faites votre petite prière du soir. Les prêtres, enfin les moines vous accompagnent. Tandis que Grivaldi et Valentine finissent les restes de votre repas. Et le lendemain matin, donc vous dormez bien. Les chambres du monastère sont assez confortables. C'est pas le grand luxe, hein. c'est pas les hôtels du Meria ou de Dunstead, hein. On est loin de ça. Mais c'est correct. Pour un pays barbare, c'est correct. La nuit se déroule sans problème. Et le lendemain matin, bah écoutez, si vous voulez faire autre chose dans le monastère ou dans le village, à vous de me dire. Sinon, vous êtes libre de vaquer à vos aventures. Et de prendre le chemin de Kuzai. Vous vaquez, très bien. Donc vous dites au revoir à Sho. Sho qui vous dit que c'était un plaisir de vous avoir rencontré. Il était si chaud. Et qui vous dit que si vous revenez dans ce village, vous serez toujours accueilli en héros. Et que ça, il vous en fait la promesse. Allez, on est déjà parti, chaud. Je dirais même plus, il était chaleureux. Parti chaud. Et chaleureux. Chaleureux. Ok. Alors. Alors bien, donc vous partez, vous prenez la route vers Kuzai, donc vous sinuez dans les petites routes, la petite route pavée, et très vite, vous quittez la route pavée pour arriver dans sur des chemins de terre. Donc en gros sur la carte, je vous montre, vous étiez plutôt là, on va dire, vous faites ce trajet-là, en gros. On a eu le temps de gagner des points de magie ou quoi? Vous récupérez tout. Si vous aviez... Du coup, il se passe quelques jours. Donc si vous aviez des blessures, vous pouvez récupérer effectivement 3 points de blessures.
Pendant votre voyage, donc à chaque fois, donc le soir vous campez, vous écartez un petit peu du chemin, vous campez dans les plaines, etc., ou dans les forêts. Je sais pas qui c'est qui est, c'est Barthélemy qui essaie de tracer le tout à l'heure. est-ce que vous faites quelque chose de particulier pendant le voyage? Est-ce que vous voulez, je sais pas, faire quelque chose Eh bien, moi, je vais surtout expérimenter. Je rappelle aussi que vous avez des PNJ avec vous. Hein. Il y a Vartan, il y a Grimaldi, Valentine. Si vous voulez parler avec eux, vous pouvez aussi parler avec eux. Est-ce que je peux prier avec Vartan? Oui, tu peux prier avec Vartan. Alors, Vartan ne prie pas les mêmes dieux que toi, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas grave. Justement, moi, je vais pas mal prier Magia et je vais expérimenter ma magie en vue de nouveaux sorts. D'accord. Donc, ceux qui prient pendant le voyage, vous pouvez gagner 2 D4. 2 D4 points de foi. Freya qui nous sort un double 1. Ça y est, je vais faire que des jeux de merde aujourd'hui. Ouais, bah pour changer. Pendant le voyage, donc vous êtes bientôt arrivé à destination. Et au détour d'une colline, vous apercevez un homme dans des vêtements un petit peu déchirés, voilà. Enfin, il porte une espèce de manteau en peau de bête ou voilà et des vêtements assez primitifs, basiques. Hein. Et vous le voyez, il détale en fait, il descend la colline à toute vitesse. Il fait un roulé-boulé tout ça et puis il atterrit en bas de la route, donc juste devant vous. Et il a l'air un petit peu... Non mais quand je dis il atterrit, enfin il se casse la gueule quoi, il est par terre. Il est pas du tout classe, hein, au contraire. Sa descente était assez ridicule. Et puis il se relève, il regarde en haut de la colline, il se retourne vers vous, il époussière ses vêtements, et il avance vers vous. Alors du coup, il vous parle en obou, donc il y a que... C'est Barthélemy qui a pris ouais. Donc Barthélemy, toi tu comprends ce qu'il dit, puis évidemment il y a Raito tout ça qui comprend. Et donc il dit hola voyageur étranger, je suis Song Song. Et il vous tend la main les uns après les autres. Alors est-ce que vous lui serrez la main ou pas? Mais du coup je peux pas lui parler. Oui, moi je lui serre la main. Pourquoi tu peux pas lui parler? Moi je le regarde bizarrement. Bah je comprends mais je peux pas dire. Ah si? Parce que je comprends rien. Dès quand tu parles toujours dans la langue de ton interlocuteur. En gros, quand tu parles, tout le monde te comprend. Ok. Et tu comprends tout le monde. Ah oui. Ah, je croyais que je comprenais juste les autres. Non, tu comprends et tout le monde te comprend. Moi aussi. Et du coup, c'est plus logique que... J'ai pas compris. Ça fait quoi, du coup, l'amulette? Bah, l'amulette, ça fait juste que tout le monde te comprend et tu comprends tout le monde. Oui, mais si tu l'as pas, toi, tu comprends rien à ce qui se passe. Ah non, si tu comprends rien, t'as juste un mec qui t'a dit une phrase et puis qui a pris tout le temps la main. Ok. Bah... Moi, j'accepte, hein. Mais moi donc, j'accepte pas parce qu'il est bizarre. D'accord, donc certains d'entre vous acceptent, d'autres non. Moi non plus aussi, tu connais toujours aussi sociable. D'accord, très bien. Et il... Tu peux me la l'amulette du coup. Il vous dit comment... On peut changer le porteur de l'amulette. Je suis Song Song, je suis négociant Henri. Je fais le trajet jusqu'à Kuzai. Est-ce que vous accepteriez qu'on finisse le trajet ensemble? On y est presque. En plus, je connais une très bonne auberge à Kuzai. Qu'est-ce qu'il raconte? Je vais vous faire visiter la ville, vous inquiétez pas. Ah, ça nous intéresse déjà mieux, mais je ne suis pas sûr que nos objectifs convergent vraiment. Bah vous voulez aller à Kuzai? Ouais. Jusque là ça va. D'accord. Bah écoutez,
Au moins, finissons le voyage jusqu'à Kuzai ensemble. De toute façon, on est sur la même route. Très bien. Il dit, je vois que vous parlez un Nobu vraiment parfait. Mais vous avez pas l'air, vous avez l'air plutôt du Nord. Oh, vous savez, je m'intéresse beaucoup aux langues, au langage. D'accord, c'est très intéressant. Du coup, on n'est pas flag, nous, parce que. Ah si, mais il voit que vous parlez pas et que vous êtes des étrangers, tu vois. Mais il a pas l'air de ça a pas l'air de le déranger, tu vois. Et mais du coup, effectivement, il parle un peu plus avec Raito et Barthémélie parce que et puis il y a Takeo aussi d'ailleurs qui vous accompagne, donc Takeo aussi là, parce que forcément il parle. De toute façon, les autres ils comprennent. Bah non. Bah après Barthémélie, tu peux leur faire la traduction. Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien. C'est rien moi. Est-ce que je peux retirer l'amulette en... Est-ce que j'ai un moyen de retirer l'amulette en douce? Je sais pas quoi, pour pas qu'ils me comprennent. Ah oui, ça tu peux, bien sûr. Je peux faire exprès de parler en alcabien, enfin en kédorien, alcabien. Non, parce que tant que t'as l'amulette, tout le monde te comprend. Justement, et du coup, est-ce que je peux la retirer en douce ou je sais pas quoi, ou... C'est genre... Tu sais, lui, c'est pas à quoi ça sert cette amulette, hein, donc y a pas besoin de la retirer en douce. Si tu veux leur parler, tu retires l'amulette et effectivement, tu peux parler dans la langue que tu veux. Mm-hmm. Parce que du coup, il y a pas un moyen de la mettre genre sans la passer autour du cou et tout, parce que c'est pas très difficile. Ah, c'est sûr qu'effectivement, tu seras comme ça avec l'amulette, hop, sur le cou, hop, tu l'enlèves. Oui, en fait, il a dit ça, tu la remets, alors ok, d'accord, tu dis quoi? Ok, bah il a dit ça. Faudrait que je trouve un moyen plus pratique, en fait, de l'enlever, de la remettre. Genre un sort qui noue et qui dénoue le collier à chaque fois. Je sais pas. On saura jamais ce qu'il raconte, je pense. De toute façon, sinon il y a Raito qui peut vous faire la traduction parce que lui il parle les deux langues. Donc, Raito, oui, viens là. Raito, de toute façon, il a pris l'habitude de vous faire les traductions à chaque fois des discussions. Donc, effectivement, bah, vous continuez le chemin accompagné de Song Song qui vous dit donc, effectivement, il vous raconte un peu sa vie. Il vous dit ouais, moi je suis un riche négociant de riz. Je vais à Kuzai pour acheter du riz et ensuite je vais aller dans le sud pour le vendre. Quoi, le mec en haillon, c'est un riche négociant de riz? Effectivement, hein, tu mets un peu le doigt sur un truc, c'est que ça a l'air bizarre son histoire. Oui, je me disais, c'est étrange aussi. Ah, il est en haillon. Bah, j'ai dit effectivement. Bah, après, vous êtes dans un pays. Après, vous êtes dans un pays barbare. Hein, vous êtes dans un pays barbare, je rappelle. Donc, les gens sont un peu habillés tous comme des clodos. C'est vrai que ses vêtements, en plus, sont pas. Enfin, c'est pas qu'ils sont moches, ces vêtements, c'est qu'ils sont pas en bon état. Parce que vous l'avez vu rouler bouler de la colline et puis il a déchiré ses vêtements au passage et tout ça. Hein. Enfin, il est arrivé un petit peu bizarrement et puis il a des petites égratignures et tout ça. Il fait un petit peu fou sorti d'un buisson, quoi, tu vois. Je pense qu'il pue la merde. Dites-moi, monsieur, vous êtes perdu? Il dit perdu, pourquoi? Bah non, enfin, Kuzai, c'est par là. Vous êtes tombé sur des bandits? Parce que vos habits sont en sale état, quand même. Ah ça, non, ça, c'est parce que, effectivement, j'aime la nature. Et j'aime ne faire qu'un avec la nature. Je me balade dans les collines, dans les forêts et tout, et effectivement ça a tendance à un petit peu abîmer les vêtements. Mais arrivé à Kuzai, je m'en achèterai de nouveau. Ah, donc c'est pas vous le brigand? Non, bien sûr que non, je vous ai dit, moi je suis quelqu'un d'honnête, je suis un négociant. Ça fait combien de temps que vous négociez, Yuri? Ouais, j'ai appris avec mon père. Dans la forêt? Hein? Non, là je parle à voix basse avec. Oui, non, mais j'ai pas entendu ce que t'as dit. Genre, c'est lui qui nous guide jusqu'à Kuzai. Non, vous faites la route avec lui, mais c'est Takeo qui vous guide surtout. De toute façon, il n'y a pas vraiment besoin de se guider, pour le coup, il y a une route, c'est relativement straightforward. Et Takeo, il en pense quoi de ce type-là?
Keo, il dit, bah écoutez, ça a l'air d'être un honnête homme. C'est normal des gens comme ça dans le coin, oui. Normal. Et bon, il te dit, je vous avoue, il a l'air d'avoir un petit peu un grain, mais... Ouais. Mais bon... Un grain de riz. C'est marrant. J'ai failli la faire. Je me suis abstenu. Donc, effectivement, donc... Oula, qui c'est qui a fait du vent dans son micro? Donc il vous dit, bah moi j'étais, mon père était négociant, donc je le suis devenu aussi, il m'a tout appris, c'était des, et alors, ça des très belles années. Et alors, c'était aussi bien le riz tout seul dans la forêt, là? Le riz coule dans nos veines, donc. Bah, je vous avoue que dans la forêt, il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent du riz. Surtout que vous n'avez pas des masses de riz, là. Bah, je vous ai dit, je vais en acheter à Kuzai. Là, je vous dis, ici, Vous l'avez acheté avec quel argent? Non, surtout, bah avec mon argent. Des rizières dans la... Il n'y a pas d'argent, si vous êtes en rayon. Non, mais il dit, ici, on est dans la région de Kuzai, il y a des rizières partout. C'est ici qu'on produit le riz, donc moi, je viens ici pour l'acheter, ensuite, je vais aller dans le sud pour le vendre. Ok. Mais là, vous êtes à moitié tout nu, vous avez acheté avec quel argent? Vous n'avez rien. Mais arrête de lui poser des questions, tu t'embêtes. C'est vous ou c'est moi, le négociant? C'est un honnête homme, voyons. Il a tout l'air d'être. On peut pas négocier, mais négocier, c'est pas gratuit, quand même. Bah, négocier, c'est gratuit, après. C'est le résultat de la négociation qui est pas forcément gratuit. Oui, le résultat n'est jamais très gratuit. À moins que tu sois un très très bon négociant. On avance. Voilà, après, mais effectivement, fais-moi un test de perception, s'il te plaît, Stéphane. Non, mais en vrai, on avance et on garde nos armes sur nous. Ça devrait bien se passer. J'ai de perception, Stéphane, s'il te plaît. Ah, c'est bon. 12. Effectivement, tu remarques, il a pas l'air d'avoir beaucoup d'argent sur lui. C'est quand même bizarre. Donc, à moins qu'il ait, je sais pas, une maison à Kuzai ou, tu vois, un stash de fric quelque part, effectivement, c'est compliqué. À moins qu'il vende ses vieilles frusques. Et qu'il fasse la route vers le sud à poil, pourquoi pas. Ouais, c'est bizarre de vendre ses vêtements à chaque fois, quoi. Chaque fois, que vaut respectivement une pièce de bronze. C'est ça. Ouais, encore, hein, une pièce de bronze, je pense que là, vu l'état de ses vêtements, les mecs, ils t'achètent le tout une pièce de bronze, quoi. C'est, pas une pièce de cuivre. C'est de la charité, à ce niveau-là. C'est ça, ouais, clairement. Donc, vous arrivez, le soleil se couche, et vous voyez Kuzai au loin, dans les vallées. Donc vous savez que demain, à peu près vers midi, vous y serez. Donc vous montez probablement le dernier camp avant d'atteindre Kuzai. Et donc, bah, comme d'habitude, hein, vous vous écartez un petit peu de la route. Vous, vous coupez du bois. Partez devant, on vous suit. Mais je vais pas marcher toute la nuit. Bah, j'ai bien tout nu dans la forêt, alors pourquoi pas toute la nuit? Ouais, deux jours. Deux jours uniquement. Un peu avant. Non, mais je lui dis ça un peu avant de camper, quoi. Si vous marchez tout nu dans la forêt la nuit, vous gagnerez encore genre plus d'argent. Genre dans la fin de journée, genre une heure avant de s'arrêter. Ah, Moi, pendant le camp, je pense que je vais monter la garde. Une heure avant de vous arrêter, tu lui dis de continuer? Hein? Ouais. D'accord. Ouais, donc, genre, on se sépare de lui avant. Très bien. Donc effectivement vous. Je demande aux autres. Vous dites, tu lui dis, on va camper dès maintenant, on s'arrête. Ouais. Partez. Comme ça en plus, ça sera beaucoup plus simple de se méfier de lui, parce que s'il est là, c'est pas normal et puis c'est tout. Et du coup, il te dit, bah très bien, c'est vrai qu'il est encore tôt pour camper, donc moi je vais continuer. Bonne route à vous. Et puis il s'en va. Et puis voilà, comme ça on se sépare de lui. Je vais affûter ma hache et monter la garde pour lui. Et puis comme ça, si on voit sa tronche dans le coin, on a le droit de se méfier. Alors que de base, s'il est là, c'est plus dur. Donc, Song Song est parti. Vous montez le camp. Vous faites un feu. Et comment vous vous organisez? Vous faites des tours de garde? Enfin, comme d'habitude, en gros, j'imagine, vous avez monté le camp déjà pendant plusieurs jours, là. Donc, quelle est votre routine? Vous êtes plus attentif ce soir? Oui, parce que l'autre, il m'a
Donc c'est quoi la routine qui fait des... Vous faites tous un tour de garde Chacun un tour de garde. Ok, tout le monde. Ouais. Même Gareth. Ouais. Non, pas lui. Non, pas Gareth. Pas lui. Est-ce que vous donnez un tour de garde aussi à Valentine ou à Grimaldi, le marchand, le... Non. Grimaldi, donc pas tour de garde, Valentine, l'homme de Marnide. Bah, ils peuvent en faire, mais non, pas plus. Non plus. Ok, très bien. Donc en fait, finalement, il n'y a que votre groupe et Vartan et Takeo. Oui, mais Raito, c'est votre groupe. Et oui, c'est ça. Takeo et le Takeo, voilà. Ok, voilà. Très bien. Vraiment les gens qui vous avez confiance, quoi. Oui. Exactement. Du coup, bah, vous mangez, donc effectivement, comme avant de partir, Lifeng vous a donné aussi un peu de nourriture pour le voyage. Donc vous cuisinez les dernières rations que Lifeng vous avait données. Et il y a Grimaldi qui marmonne un petit peu, qui dit putain, décidément, les marchands dans ce pays, ils sont vraiment bizarres. Je fais pas. Ah oui, hein. Faut partir d'ici. Hein. Franchement, je sais pas pourquoi on s'enfonce dans ce pays de merde, mais moi j'ai hâte de retourner quand même à Kedoria. Hein. Ils sont fous. Qu'est-ce qu'il fait là, lui d'ailleurs, j'ai oublié. Tu l'avais sauvé des geôles et il vous avait suivi dans la fuite de la ville. Bah non, mais le truc c'est que c'est lui, il part, il se fait tuer en deux-deux. Hein. C'est un marchand, hein. Il a pas de. Oui, c'est vrai. Il a perdu son escorte, il a perdu son équipage, et il a tout perdu. Il est un peu avec nous par la fin. Mais surtout, il t'avait promis combien ? Une pièce d'or ? Si vous le rameniez en territoire kédorien. Oui, en tout cas, en territoire pas hostile. Seulement une pièce d'or. Donc en fait, vous êtes son escorte. Donc si vous, s'il se casse, il perd son escorte. Quoi. Une pièce d'or, c'est beaucoup. Hein. Et il a acheté prix. Ouais, c'est beaucoup une pièce d'or. Quand même. Oui, mais bah, après, selon vaut plus que tout. Selon les circonstances, peut-être que tu pourras renégocier si la menace est particulièrement élevée, peut-être, par exemple. Regarde, il va se retrouver en danger de mort et il veut monter ses prix. Donc, c'est ça, il va se retrouver au pied d'une falaise et là tu fais deux pièces d'or. Vous discutez un petit peu donc avec Grimaldi. Valentine est assez taciturne. Vous avez remarqué ça au fur et à mesure des jours là, que vous avez passé avec lui. Il est pas forcément, tu vois, il manque pas de volonté à vous aider, à monter le camp, etc. Tu vois, mine de rien, petit à petit, il a fini par participer quand même aux tâches quotidiennes. Mais c'est vrai qu'il paraît pas très, pas très avenant. Il parle pas beaucoup. Mais pour autant, pour l'instant, il vous a pas forcément fait défaut. Ça a pas l'air d'être un mauvais bougre non plus. Ouais, alors remonter le moral avec une petite danse. De la bière. Donc vous vous commencez à monter la garde, les autres commencent à dormir et vous en doutez, il va se passer quelque chose. Ah bah tiens, comme c'est surprenant. Donc c'est au tour de l'Orvac de faire son tour de garde. On arrive plutôt vers la fin de la nuit, enfin vers le milieu de la nuit pardon. Lorsque tu entends l'Orvac des craquements de branches pas très loin de toi dans la forêt et des bruits de pas sur le tapis de feuilles. Ouais. Que fais-tu? Je vais... Comme la dernière fois, j'ai foiré le coup. Là, je vais jeter un caillou dans la direction là-bas. Oui, c'est une bonne nickel. Donc fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. Ça marche pour moi la dernière fois. De toute façon, je peux faire un max de bruit super vite en bougeant mon cul, donc c'est pas un souci. J'avoue. Il fait un twerk, un jet d'agilité. Il fait un twerk et tout le monde à 10 km aux alentours est réveillé. Alors je crois que j'ai pas grand chose en agi. Et quand il twerk, ça fait Anaconda de... Neuf.
Donc, tu lances ton caillou et tu entends une voix. Tu sais pas ce qu'elle dit. Et au coin de l'arbre où tu as lancé le caillou, tu vois une silhouette apparaître et tu reconnais Song Song. Et il approche en parlant assez fort, mais dans la langue évidemment que tu ne comprends pas. Et je peux récupérer la lumelette ? Bah, elle est autour du cou de Barthémélie, sauf si réveiller Barthémélie. T'as plus. On sait jamais, t'as plus. Dans le doute, non, je suis un autre. D'ailleurs, je précise, Song Song affiche un grand sourire, il avance tranquillou. Je peux t'emprunter la lumelette deux secondes ? Un caillou. Après tu peux t'endormir. Mais non, mais c'est bon. Tant que je suis réveillé, je vais voir. Ok, donc Barthémélie, tu te réveilles. Et donc tu vois Song Song qui est là et puis qui dit bah dis donc, quel accueil, vous m'accueillez en me lançant des cailloux. Pas très sympa ça. En même temps qu'elle essaie de venir en pleine nuit. Et donc. Au milieu de la nuit et... Il s'assoit autour de votre. Enfin, à côté de votre campement. Il reste les petites braises, on va dire, du feu, voilà, et donc il commence à prendre un bout de bois, et puis il tape un peu dedans pour essayer de raviver les flammes, et il dit, vous allez rire, j'ai commencé à monter mon campement, et puis je me suis rappelé que je savais pas faire du feu. Putain, c'est Garrett 2. On a déjà un Garrett, il n'y a plus de place, monsieur. Le boulot est déjà pris. Il te regarde et puis ensuite il regarde Barthémélie, dit je comprends pas ce que votre ami dit. Juste compris Garrett. Nous ne sommes pas en mesure de vous rendre beaucoup de services. Il n'y a pas de souci, je vais juste squatter là pendant la nuit, c'est tout. Laissez-le squatter. Okay. Mais surveillez vos bourses. Ouais, voilà, je lui dis mettez-vous là dans un coin, genre je règle l'affaire vite fait. J'ai envie de dormir. D'accord, donc tu lui montres où il peut se planquer et puis tu te rendors, c'est ça? C'est ça. Très bien. Donc j'en vais plus loin possible. Du coup tu t'endors. OK, donc tu t'éloignes un petit peu et tu t'endors. Du coup, mais je m'éloigne pas. Non, mais tu lui désignes l'endroit le plus loin possible. Genre, je vais pas lui dire, mettez-vous là, en plein milieu, juste. D'accord, ok. D'accord. Lui, tu sais, il est assis sur un rondin de bois à côté du feu, faites votre feu, faites comme vous. Il reste plus que l'Orvac et donc Song Song éveillé autour du feu. On chante du blues. Et, claquer des doigts, tu vois. Et tu vois Song Song, il sort un lapin, il soulève un petit peu ses frusques là, et puis il sort un cadavre de lapin, et il sort un énorme couteau, il commence à, tu vois, il découpe le lapin. Et tu vas me faire un test de perception. Putain, le mec c'est Radagast le brun en fait. Non mais le lapin est mort. Non mais il a des gueules, il a des frusques et tout, il a une gueule de clochard, mais je suis sûr qu'il est spécial. Est-ce que le test de perception c'est pour voir si il a quelque chose à compenser? Le gars c'est le genre Majax, il sort des. Je te demande juste de me faire un test de perception, je te demande pas de me demander pourquoi. Aïe. 7, ok. Tu remarques rien de particulier. Donc il commence à découper son lapin. Yes. Si c'est juste après, moi je. Et tu commences à l'entendre marmonner. Et des fois, il te regarde, genre, intensément, tu vois, l'Orvac. Il dit des choses, mais tu comprends pas ce qu'il te dit. Mais il te regarde, tu sais, avec un regard qui te fait un peu. Qui te met un peu mal à l'aise. Et puis. Et puis, tu sais, il dit des trucs, et puis, tu sais, il fronce les sourcils en te regardant, et puis il dit quelque chose, et il enfonce son couteau dans le lapin, tu vois, puis il commence à découper le lapin. Sacrifice. Moi aussi je fais ça quand j'aime beaucoup les lapins. Ouais voilà. J'ai très faim. Il a l'air de beaucoup aimer le lapin. Quoi. Alors, autour de qui réveilles-tu après ton tour de garde? Je sais pas, c'est moi qui commençais. Hein. Bah, non, il y a eu les autres PNJ qui ont commencé. C'est prévu. Les autres PNJ ont commencé.
Et du coup, là, j'ai le choix entre... Du coup, il reste les PJ. Bah, ouais, tu ouais. choisis entre les trois autres. Bah... Barthélemy, du coup. Ok. Enfin, je sais pas. Et que je suis déjà réveillé la moitié un peu avant. Comme t'étais déjà à peine endormi. Très bien. Donc, Lorvac se rendort et Barthélemy se réveille. Et donc, effectivement... Tu aperçois Barthélemy, donc. Je comprends ce qu'il raconte. Je lui dis. Song. Il fait des regards chelous avec son couteau, son lapin, là, tu vas voir, c'est bizarre. Song, c'est. Pendant que vous faites la relève, Song s'est installé un peu plus loin. Il a fait un feu. Tu vas pas faire long feu, lui. Il a fait un feu et tu le vois, il est là en mode. Tu sais, il squatte devant son feu, il tient son lapin et. Donc, il a fait un feu. Il sait faire du feu. Et tu sais, il s'est mis face à vous, tu vois. Enfin, en gros, il y a son feu entre vous et lui. Mais et tu vois qu'il te regarde pareil très intensément. On va tous être ensorcelés au réveil, nous. Ça va être super. Qu'est-ce que tu fais, donc, Barthélemy ? Est-ce que tu fais quelque chose de particulier, Barthélemy, pendant ton tour ou, Non, mais je trouve que c'est un super mage de la forêt. C'est pour ça que c'est Moi, il me fait peur. Hein. Tu dis quoi, Barthélemy ? Je dis alors comme ça. Je t'appelle à discuter, alors comme ça vous chassez le lapin. Il dit ouais. Quoi? Il dit juste ouais. Il a dit oui. Et... J'aime bien le lapin. Ah. Ok. C'est bon le lapin. Lapin complet ou lapin blanc? C'est toi tu dors. Lapin céréale. Alors toi, tu vas te faire assassiner dans ton sommeil, tu vas pas comprendre. Après, tu remarques un truc, du coup, Barthélemy, c'est qu'au moment où tu dis ça, donc, il a fini de, tu vois, il a enlevé beaucoup de morceaux dans son lapin, tu vois, et il se lève, et il a toujours le lapin, tu sais, il tient le lapin par les pattes arrière, et le lapin, tu vois, il saigne encore, tu vois, et donc, il commence à faire le tour du campement, en saignant son lapin. Il va pas finir son tour. Il ne va pas finir. Et puis, tu vois, il commence à marmonner des trucs. Alors, il parle genre, bas. Je te le dis, il parle bas. Tu comprends pas ce qu'il dit? Il dit. Tous les moyens. Il dit. il commence à marcher. Et puis, avant que tu comprennes qu'il fasse le tour, hein, tu vois, je te dis ça. Il marche et il est en train de saigner son lapin comme ça. Et puis, il dit il y a des choses meilleures que le lapin. Barthélemy, c'est toi. Non, mais je te dis tout de suite. Il va pas finir. Genre, au moindre signe de résistance. C'est genre assassinat, genre tout ce que tu veux. Fais un truc maintenant. Donc qu'est-ce que tu fais Alors du coup, déjà ça va être boule d'eau. Viens, on s'en bat les couilles, c'est un clodo. Déjà ça va être boule d'eau, tu restes. Lance-le un caillou, c'est en vrai, réveille-nous, on le tue. Réveille-nous, j'avoue. Tu fais une boule d'eau sur lui Ouais, voilà, boule d'eau dans ta tranche, tu respires. Fais-moi un jet de magie. C'est la première chose que je fais. Oups. Il veut se solo XP le Bob. Oh. Attends, le mec il a vu un clodo, il s'est dit ça y est, c'est mon opportunité de faire des points d'XP gratos. De l'XP. Fait 17. Tu casses ta boule d'eau autour de sa tête, donc tu dépenses un des 4 je crois, c'est ça? Point de magie? Ouais. Donc la boule d'eau se forme autour de son visage, et tu vois, il s'arrête de marcher, il tient toujours le lapin comme ça, il tourne la tête, il te regarde droit dans les yeux, et il souffle, et la boule d'eau éclate, et tu vois, il y a de l'eau qui vient dans ta... L'eau vient dans, ta, dans ton visage, tu vois, tu te le prends, non, tu te le prends en pleine général, face. Hein. Et après, il continue son tour. Bon bah je crie à tout le monde, je pousse avec les pieds. Alerte générale, trahison. Quoi? Vous vous réveillez, et effectivement vous voyez Song qui est en train de faire le tour de votre campement avec son lapin. Il a déjà fait un quart du cercle autour de vous. Je le tranche avec ma halbarde. Ok, fais-moi un jet de corps à corps. Je dis tout de suite, faut pas qu'il finisse, faut pas qu'il bouge avec son... Faut pas qu'il ouais ou sinon on sort du cercle, qu'est-ce qu'il va faire? Pas con. Et moi, il va un jet de corps à corps, Stéphane. Ce sera plus un cercle du coup. Tu attaques avec ta halbarde, donc toi tu lui fonces dessus et tu lui fais un coup d'estoc, tu veux le planter dans le ventre et tu le plantes. Et tu fais ah, je t'ai eu. Et lorsque tu regardes, en fait, tu vois que tu as un tronc d'arbre. Et au bout de ce tronc d'arbre, enfin sur ce tronc d'arbre, il y a une branche et cette branche tient
le lapin. Ça te rappelle des souvenirs? Oui, oui, oui. Et ensuite... Je vais couper la branche qui tient le lapin. Et ensuite, non, tu entends... Enfin, tu sens un souffle dans ta nuque, et tu vois Song Song qui est juste derrière toi, et qui dit... J'ai oublié ça. Il prend le lapin sur la branche du truc, et il continue son tour. Bah, on va sortir du cercle. Il a, il a désormais fait un tiers du cercle. Ah, on sort du cercle, allez, on s'en va. Je cours. Ah bah ouais, ouais. Il est grand, le cercle, on s'en va. Bah le cercle, le cercle est pas, non, le cercle est pas immense. Non, genre 6 mètres de diamètre, quoi. Donc vous partez, donc vous allez tous me faire un jet d'agilité. Et donc au moment où vous... Je peux pas essayer de... Je vais essayer un truc avant de me barrer. Bah déjà ceux qui essaient de partir. Ceux qui essaient de partir, vous faites un jet d'agilité. J'ai fait 12. T'as fait 12, hein, Stéphane ? Freya ? Allô ? Freya ? 1, 2, 1, 2. Oui. Elle a fait 22. Ça va être compliqué. Vas-y, fais-moi un jet d'agilité. Oui ! Attendez. Ok, on va y arriver. Ça a bugué. J'ai d'agilité. Je reviens. Je refresh. des 10 plus. C'est long l'agilité. C'est long, hein. Non, mais excusez-moi, c'est la page qui est plus là. C'est toujours la faute de la page. Pas notre faute si c'était pas la page. 14. La page. Très bien. Donc, au moment où vous traversez ce qui. Va être le cercle de sang autour de votre campement, tu vois, en gros, imaginez un cercle, mais pour l'instant qui n'est pas visible, parce que j'imagine que vous traversez pas au-dessus du cercle qu'il a déjà tracé, vous traversez dans l'autre sens. Et bah non, on traverse dans les coins où il y en a pas encore. Et donc, vous traversez, bah non, en fait, et au moment où, en fait, vous approchez du bord du campement, tous, vous vous faites frapper par une ronce qui sort du sol et qui vient vous gifler. Stéphane et Freya, vous prenez une blessure normale à 1 des 4 points de vie, donc vous lancez 1 des 4 et vous perdez 1 des 4 points de vie. Et Barthémélie, toi tu prends une blessure normale à 4 points de vie. Ça va, voilà. Une petite bichenette. D'ailleurs, ma blessure, c'était 1 PV par jour, donc... C'est passé 3 jours. Ça va, yes. J'ai pris une claque, c'est tout. Plus de blessure. Enfin, la précédente. Ouais, ouais. Donc ça vous renvoie en arrière. Ah merde. Et voilà. Donc Lorvac, toi tu prends pas de dégâts parce que t'es resté au centre. Pendant ce temps-là, je me rapproche de lui, en fait. Il continue de faire son tour. Donc là il a fait la moitié du cercle. Ouais, c'est bon. J'ai l'idée, on va sacrifier Garrett et on va faire la même chose à l'intérieur. Mais il vient de faire un quart de cercle, j'ai pas vu. Est-ce que sinon on fait un cercle? Mais À chaque fois vous faites des actions, il avance. À chaque fois vous faites des actions, il avance. Donc Lorvac, c'est à toi de me. Donc qu'est-ce que tu fais? Ah, on arrête faire des trucs. Je mets juste en face, juste à côté. Ouais, comme ça on le regarde. Et après, et ensuite je mets à danser pour qu'il devienne inconscient. Au moins il soit paralysé. D'accord. Danse. Fais-moi un jet. Et si c'est juste et de la danse, que, genre, je peux. Tu vois, je me mets dans le cercle et j'essaie de concentrer un peu le son avec Airbender là. Ouais. Pour pas trop qu'il est derrière moi, mais juste, tu vois, genre, vu que la moitié est devant moi, tu vois. Comme ça, il y a que lui qui est affecté. D'accord. Ce serait con que tu nous mettes tous inconscients à la place, tu sais. Quand c'est à me connaître, quand je commence à danser... Vraiment, ça passera plus vite. Donc fais-moi ton jet. Et si tu... Dans une situation tendue, faut si tu utilises Airbender, tu lances un des 12 points de magie. Ah oui, forcément. Ok. Et ça rajoute combien de bonus après Airbender, du coup? Ça fait quoi du coup? Alors justement, donc déjà ça change, effectivement tu peux contrôler les flux de vibrations, tu peux donc cibler le son. Des 12, putain c'est tellement... Et en plus de ça, tu vas gagner donc plus 6 à ton lancer de charisme. Ouais c'est stylé, vas-y je tente. 9, oui. Tu perds 9 points de vie.
20 points de mana, pardon. Oula. Non, point de mana, point de mana. Il se met à danser, il tombe et il est mort. il est mort de danse. Non, bon, là, je vous avoue que là, si ça marche pas, parce qu'il y a Muteki invincible, j'ai un peu le seum. Je crois que c'est une cinématique, les enfants. C'est une cinématique. Ouais. Je crois que c'est une cinématique, on est en train d'être capturé. Oh, plus 6, ça t'as dit. Plus 6, ouais. Aïe. Non, mais mec. Yes. Non, attends, quoi, non. Comment ça, ça va bien? Non, tu fais 19, tu relances 19 moins 1 des 10. Ouais, là, je vais faire 10. Ouais. Oh, j'ai plus de sa mère. Putain de merde. Oh, j'ai trop le seum, mec. Tu peux savoir à quel point j'ai eu le seum. Efficace, dis donc. Ouais, je suis très content. Hein. Très content d'être là. On passe un bon moment. Tu fais ton truc et effectivement, tu concentres donc avec Airbender le son. Et tu vois comment le Song qui s'arrête, tient toujours son lapin tu vois, à bout de bras, il commence à froncer les sourcils, et là tu vois il te regarde, et puis il a baissé la tête, et puis tu vois il a un air vachement sombre, et puis tu sais il a les cheveux qui tombent un peu sur son visage. Barthémy, tu comprends. Et donc en gros il dit arrête ce bruit ou je te massacre, et puis tu vois que il se détache, donc il avance vers toi Lorvac, et là où il était se tient désormais donc un espèce de d'atronac, on va dire, de bois qui continue le cercle, et pendant que Song Song avance vers toi, et il a son couteau à la main. Et il avance vers toi avec un regard de psychopathe. Oh putain, je m'interpose direct. Très bien. Alors du coup, combat. Donc, lance... On va... Merde, qu'est-ce que j'ai... Moi aussi, je veux. Hein. Moi aussi. Donc, tout le monde lance... Quelqu'un arrête la tronac. Tout le monde lance initiative. Je vais voir si je peux pas l'arrêter. Initiative, s'il vous plaît. Un jet de quoi? Initiative. Agilité. Initiative, c'est combien déjà? C'est agilité. Ah, c'est agilité. Ah, yes. Ma spécialité. Oh, c'est pas explosif? Si, bien sûr. 7. 11 pour Barthémélie, 11 pour Lorvac. Vous pouvez soit choisir qui joue en premier, soit relancer pour décider. Oh. 12 pour Stéphane et 9 pour Freya. Donc c'est... Où tu veux. Donc quoi qu'il arrive, c'est Song Song qui va jouer en premier. Plus en danger. Merde. En deuxième, ce sera Stéphane. En deuxième, ce sera Stéphane. En... Troisième, ce sera Lorvac, c'est ça? Oui. Quatrième, Barthémély. Et dernier, Freya. Donc, Song Song approche de toi, Lorvac. Et il te frappe avec son couteau. Je pars. Ou je sais pas, je fais quelque chose. Alors, pareil, il vaut mieux avoir une arme. Hein. Esquive. Ou j'esquive, alors. T'esquive? Ok. Vas-y, fais un jet d'agilité. Yes. Merde. Efficace. Bah oui, mais je fais que des jets d'agi. Je voulais me vautrer entre eux. Oh mon dieu. Je vais pas arriver assez vite, tu vois. Oh mon dieu, il va mourir. J'ai fait moins 13. T'as fait un critique. Oh oui. Yes. T'as c'est fait bon. Un critique, yes. Donc tu gagnes 6 points d'XP en agilité. T'as un si beau jet. Trop facile ce jeu. En fait, il s'est auto-cassé la gueule. Il a 6 en corps à corps. Et donc j'ai fait 1, et après j'ai fait 10, et après j'ai fait 9. Genre le pire truc. Yes. Donc effectivement, il. Ils tous les deux des grosses merdes. En gros, il. Tu sais, il met sa main en arrière. Tu sais, pour te tuer en mode. Tu sais, comment. Merde, comment s'appelle ce film Shining. La fameuse. Mais non. La fameuse scène du film disco. Voilà, merci.
Donc comme dans Psychose, tu vois, il met son couteau en arrière et puis en fait il veut te frapper, sauf qu'en fait au moment où il frappe, tu sais, il fait tomber son couteau derrière lui et du coup il te frappe avec du vent, tu vois. Tu as le droit à une contre-attaque. T'as le droit à une contre-attaque gratuitement. Tu peux la contre-attaquer dès maintenant, même si c'est pas ton tour. Oh là là. Bah écoute, je vais pas me gêner. J'ai lu. Oh, est-ce qu'on peut faire un truc combiné, genre. Je fais une impulsion pour le propulser sur un de mes potes qui l'embroche derrière. Yes, moi je suis juste. Pardon. Ah, plutôt Stéphane, ouais. Tu peux le faire, effectivement, sur Stéphane, c'est à son tour après. Ouais, moi je suis chaud, je regarde Stéphane, je fais. T'es prêt? Et je le balance. Ok. Donc tu fais un force push. Vas-y. Lance le dos. Donc tu fais un jet de magie, sachant que. Combien de points de magie? Alors c'est quoi déjà? C'est un point par mètre, c'est ça? C'est un par mètre. On va dire 3. Non, faut. Ok. Bah après j'ai plus de magie, donc démerdez-vous. Tu peux puiser dans ton endurance après. Hein, ah oui, c'est vrai, l'endurance, c'est vrai que je vais utiliser ça. Mais le ratio est plus cher. 2 points. Ok, donc magie, il faudrait que je passe en spécialiste aussi. Non, 6. Attends, du coup j'ai plus 1, j'ai plus 2, c'est vrai, j'ai failli oublier ça. Bah tu l'avais allez. Aussi pour l'autre d'ailleurs tout à l'heure. Oh là là, mais c'est pas possible, mec! Oui, c'est vrai d'ailleurs, t'as raison. Mais vas-y, les vieux jets que je fais là, je trouve ça. Alors. Je crois que j'ai fait aucun truc au-dessus de. À part les jets d'initiative. Oh putain, mais c'est pas possible! Au-dessus de 4. Moins 9! J'ai refait un 1 encore, attends. Combien je vais faire là? Yes! Mais ça va, il était pas si dangereux que ça finalement. Vas-y, j'ai fait 9 ouais, là. Ça va, finalement. C'est... Non mais c'est abusé quoi, je fais que des jets de merde. Le chat est témoin, il voit mes dés, putain. Donc là j'ai fait moins 5, donc tu gagnes 4 points d'XP. C'est quoi, c'est en magie? En magie. Ouais, en magie, ouais, tu gagnes 4 points d'XP en magie. Donc tu propulses, et du coup tu dépenses moins de... Déjà parce que t'es en moins 1 aussi de coût. Parce que t'es maître de c'est vrai, j'ai oublié ce donc détail. Moins 1 et encore moins 1, donc tu ne dépenses qu'un point de magie. Bah ça fait plaisir. Pour ton truc. Ah oui, c'est vrai, du coup je peux propulser les gens à 1 mètre gratuitement tout bout de champ. C'est cool ça. Voilà. donc il est propulsé, effectivement, en arrière. Ah, et tes bras. Ouais, mais de façon. Ouais, mais si lui il est loin. Vite. Effectivement, c'est ton tour, Stéphane, donc à toi de l'embrocher. Ouais, je l'embroche. Corps à corps. Corps à corps. Ah, tu vas me faire un corps à corps. Je te donne un bonus parce que comme Lorvac a fait un critique, oui, quand même. Il a même fait un double critique, donc je te donne un bonus de plus 4. Et comme c'est assez difficile d'embrocher quelqu'un en l'air, je vais te demander de faire 12 ou plus, mais je te donne plus 4. Oh bah on a gagné déjà. Attends, si tu fais 1... 16, ouais. Ok. Allez. Donc, effectivement, tu l'embroches. Mais là, il prend des dégâts, là. Sinon, ah oui, effectivement, il s'embroche sur le truc. Lance-moi donc un jet de blessure, s'il te plaît, Stéphane. Donc, un des 10. Oui, tu es tué. Bah, tu même... Du coup, attends, parce que là, je dis ça. Mais du coup, Stéphane, tu viens de faire un critique aussi. Non, t'as pas fait un critique, je t'avais dit 12. J'ai rien dit. Donc, lance un des 10. Je croyais que le critique c'était fait par rapport à son truc. Ok, donc c'est une blessure normale. De la merde. Blessure normale. Il n'y a pas de bonus ou quoi? Si, mais j'ai oublié de le dire, mais du coup c'est une blessure normale. Donc, lance-moi un des 10 s'il te plaît. Un des 6 s'il te plaît, Stéphane. Explosif ou pas? Non, un des 6 normal, c'est pour les dégâts. 3, ok, très bien. Donc, il s'embroche pas complètement sur la hallebarde. En gros, il y a son flanc qui s'embroche en partie, et il tombe à côté de toi. Et en gros, tu lui as vraiment transpercé le flanc, et tu sais, après, ta hallebarde, elle est sortie. C'est dégueulasse, il y a du sang partout. C'est immonde, c'est vraiment, c'est gore, tu vois. Et à ce moment-là, vous voyez la Tronac qui tenait... le truc qui s'arrête et qui se fige et qui a l'air de
tout d'un coup s'être transformé en arbre normal, tu vois. On peut récupérer le lapin. Le lapin, oui, il est dans la main de l'arbre. Buffy encore. Et là, vous voyez, vous entendez quelque chose. Vous entendez Song Song qui se met à pleurer. Oh. Il se met à pleurer et puis il vous regarde, il fait mais pourquoi est-ce que vous me faites ça? Je suis qu'un négociant, je suis quelqu'un d'honnête, je suis un simple marchand. Oh, on a branlé. Pourquoi vous faites du vaudou avec nous alors? Mais qu'est-ce que vous racontez? J'ai pas fait de vaudou. Sur un ton super. Vous avez un sorcier. Vaudou, ouais. Qu'est-ce que vous racontez? C'est quoi? Pourquoi il y a un lapin dans un arbre? Ouais, le coup du schizophrène ou je sais pas quoi, ça ne et puis pas... il commence à perdre son sang et fait je vais mourir. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous m'avez fait ça? Eh bien disons parce qu'on va faire un cercle magique autour de toi avec ton sang. Alors déjà je tiens aussi à préciser que Lorvac a dit une connerie, il a parlé de schizophrénie. La schizophrénie ce n'est pas ça, c'est un trouble dissociatif de la personnalité. Et va bien te faire niquer. La schizophrénie c'est quand on a des visions et des choses bizarres. C'est pas pareil. Il y avait un peu de schizophrénie là aussi. Bah, ouais, faut double personnalité quoi. Il y avait un trouble sévère de la personnalité, ok. Donc, effectivement, donc il est par terre, il est en train de pleurer. Je lui dis, c'est le sort qui s'est retourné contre vous. Mais le sort de quoi Tu récoltes ce que tu as fait. Faut que j'aille à l'hôpital. Et là, je vais regarder. Faut. Aidez-moi, je vais mourir. Bon, attendez. Je vais le soigner. Il me fait pitié, le pauvre. Non, je vais l'achever. Mais arrêtez, tu vois bien qu'il est pas dangereux. Mais si, il est super dangereux, tu chopes le lapin et c'est fini. Il peut rien faire. Je suis pas spécialiste des magies interdites, moi j'y toucherai pas. Mais je chope le lapin et tu le jettes. Il est encore plus dangereux si il sait même pas qu'il est dangereux lui-même. Malheureusement, je suis d'accord. Il est juste fou, quoi. Tu peux le finir? Bah non, genre, il doit être ça en fout, tu les mets dans un asile, tu les tues pas. Il dit en plus c'est n'importe quoi ce que vous racontez, moi je sais même pas, genre je suis très mauvais en magie en plus, j'arrive ça se trouve, pas à utiliser la magie. On sait rien du tout, on va tuer un innocent, mec, t'as déjà ton lot d'innocents tués Stéphane, tu te calmes direct. Tu veux le finir? Alors c'est j'avais envie de le finir, c'est un putain de clodo qu'on a trouvé à poil dans la forêt et qui a essayé de nous tuer. Si tu me dis je le finis, tu le finis. Non, moi je m'interpose. Ah tu t'interposes donc tu peux pas le finir. Moi je le fais. Bon bah je peux pas le finir. Toi tu moi, le fais Barthémy. Ah tu le laisses. Je le laisse crever. Laisse. Ok d'accord. Tu fais rien moi, pour l'achever. Moi je suis dépossédé ou je sais pas quoi. Voilà ce qu'on va faire. On va voter. Est-ce qu'on le finit ou est-ce qu'on le finit pas? Je m'en bats les couilles. Le premier qui y touche je le tape. Alors. Moi j'y touche pas justement. Donc. Je récupère le. Est-ce qu'on peut le voter? Le lapin. J'essaie de nettoyer le sang. Je vous fais déjà. Alors c'est faux, il y en a. C'est faux, c'est celui qui est le plus fort qui vote. Oui, c'est vrai, c'est sûr, c'est souvent comme ça que ça se passe, mais il y a aussi des votes. Voilà. Donc, alors, c'est celui qui va réussir à faire le meilleur jet de charisme qui va influencer le vote de Gareth. Donc, ceux qui veulent influencer Gareth, vous lancez des jets de charisme. Celui qui fait le meilleur a le vote de Gareth. Yes, Takeo vote pour le sauver. Enfin, Valentine vote pour le tuer, Grimaldi vote pour le tuer. Stéphane, tu fais 9 en charisme. Oui. Pour l'instant, c'est toi qui as le meilleur score, c'est toi qui influence, le vote. C'est beau, c'est ma stat la plus belle. Vartan, il s'y connaît. Vartan dit qu'il faut le sauver. Vartan, fais un jet de charisme, bless. Non, Vartan il peut pas parce qu'il a pas d'influence sur Gareth. Oh putain. Parce que Gareth, c'est votre ami, y'a que vous qui pouvez faire le vote. Il a la personnalité d'un caillou. Il a de l'influence sur qui il veut. De quoi? J'avoue. Gareth c'est pas un caillou. Gareth c'est votre ami fidèle et loyal. Il n'écoute que vous. Oui, mais il a la personnalité d'un caillou, donc il peut très bien se faire influencer par Vartan, je suis désolé. Non, il ne se fait influencer que par les gens en qui il a confiance. J'ai pas dit que c'était un caillou, j'ai dit qu'il avait de sa personnalité. Non, mais moi je croyais que c'était un caillou. Gareth il vous écoute vous parce que vous êtes ses amis d'enfance. Oui, et moi j'étais plus proche. Donc c'est ton jet de charisme ça, Lorvac? Ouais. Bon bah pour l'instant c'est toi qui as le vote de... Oh de... la vache. T'as explosé Stéphane.
Donc à moins que quelqu'un veuille essayer de challenger le 17 de l'Orvac, c'est l'Orvac qui a le vote. Moi je challenge pour le geste, pour la beauté du... Ah sachant, attends, ça dépend, l'Orvac, tu veux que Garrett il vote quoi? Toi et Garrett vous votez quoi? En gros il va voter comme toi quoi. Je vote... Attends, ou alors on nous le dit pas, dans le prochain épisode, ou alors on nous le dit pas, et d'abord les autres vous votez. Donc Freya, toi tu votes pour le sauver, c'est ça? Donc pour l'instant il y a deux votes pour le tuer, deux votes pour le sauver. Stéphane et Barthémélie, vous faites quoi? Vous êtes pour le tuer, je crois, c'est ça? Yes. Pour le tuer, donc ça fait qu'il y a 4 votes pour le tuer, 2 votes pour le sauver. Donc, l'Orvac, soit tu peux faire une égalité, soit tu peux écraser le... Il y a Raito aussi, non? Ah, il y a Raito aussi, c'est vrai. Raito, il veut le sauver. Yes. Donc ça fait Raito. Qu'il y en a 4 pour le... Donc soit tu peux faire gagner les deux camps, l'Orvac, du coup. En vrai, moi, dans ma tête, je voulais être d'accord avec Barthen, parce que c'est... Par contre, Barthémélie, on t'a perdu, hein, t'es en robot, là, depuis tout à l'heure. Vas-y, donc dis-moi, tu disais quoi? Pour moi, Vartan, c'est le mec qui a le plus de connaissances magiques ou quoi. Et pour moi, le mec, il est à moitié possédé, tu vois. Et genre, je me dis... Mais pour moi, il est possédé aussi. Plus. Okay. Il y a moyen d'en savoir plus. Et peut-être que si Vartan, il veut le sauver, ça veut dire qu'il veut peut-être savoir machin. Oui. On sait rien. Nous aider. Oui. Savoir pourquoi il est... Donc je veux qu'il meure. La conclusion qui n'a rien à voir avec l'argumentation. Donc tu veux le sauver? Ouais. Ok, donc effectivement, vous votez. Le négociant, il a voté pour le tuer. Parfait. Donc, au final, le vote pour le sauver gagne. Donc, Vartan s'approche de l'homme, et même malgré le fait que ça paraisse impossible de sauver cet homme qui a la moitié de la hanche à déchirer, Vartan applique ses mains, enfin approche ses mains, et vous pouvez me faire un test de perception. Pour les plus perspicaces d'entre vous, qui apercevront peut-être quelque chose. Vous allez voir, c'est une merveille avec ses mains. Alors. Yes, 7. 7 pour l'Orvac, 6 pour Stéphane, formidable. Oui, 5 moins. La suite d'ailleurs. Oui, techniquement, c'est t'as fait 1, pardon, c'est 5 moins quelque chose normalement. D'ailleurs. 12 pour Freya. Yes, moins 1, j'ai vu mes pieds. Barthémélie, il est perdu dans le cosmos de la connexion pourrie, donc pour l'instant, on va le laisser. Non, on t'entend pas. Enfin, on t'entend, mais en mode robot. Ah merde, là. Ah, attends, si, c'est peut-être revenu là. Ah, là, on t'a entendu là. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ah voilà. Tu peux nous faire un jet de perception si tu veux. Tu dis quoi? Moi aussi. Oui, toi aussi. Ok. Du coup, depuis tout à l'heure, moi je dis que j'en ai rien à foutre. Moi je veux essayer de brûler le lapin et de nettoyer le sang. D'accord. Réduire le lapin. Bah du coup, dans ce cas-là, tu fais pas moi, de. Je veux réduire ensemble. Dans ce cas-là, tu fais pas de jet de perception alors. Donc il y a que Freya qui voit ça. Donc je vais lui dire en solo. Freya. Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est vrai que oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire ça dans Cthulhu, mais. Franchement, il y a des bonnes choses qui se perdent. C'est ça. Donc, effectivement, t'es la seule à remarquer ça. En fait, vous l'aviez déjà remarqué plus tôt, mais là, t'es la seule à le voir. Enfin, vous l'aviez remarqué, mais dans une session dans laquelle t'étais pas là. Mais du coup, je crois que c'était Barthémélie qui l'avait vu, mais je crois qu'il vous l'avait dit. Donc, ils avaient été plusieurs à le voir. Donc, je vais partir du principe que tu le sais. C'est que lorsque Vartan avait fait exploser les portes de Aimi, vous aviez remarqué des symboles lumineux sur ses poignets, et dans la paume de ses mains, qui avaient disparu après que les flammes se soient éteintes. Là, tu remarques la même chose, un truc similaire, enfin tu vois des symboles qui ressemblent, c'est pas le même symbole, mais c'est un symbole qui ressemble, et cette fois tu le vois, en fait, luire à travers sa robe, et cette fois le symbole est sur son cœur. Je dis de la merde, il est pas sur son cœur, il est au niveau de son abdomen. C'est parce qu'il est parfait, c'est pour ça. Donc tu vois effectivement un symbole luire pendant quelques secondes autour de sur son abdomen, puis s'éteindre, et... Comme par magie, les blessures de Song Song disparaissent pas complètement, mais sont bien moins graves.
Bah moi ça me choque pas parce qu'il m'a déjà ressoudé des côtes cassées comme ça la dernière fois donc. Tout à fait. Et puis c'est parce qu'il est parfait. Exactement. C'est pour ça. Il est interdit. Donc j'ai dit à Freya ce qu'elle avait à voir. Effectivement donc vous voyez Vartan qui applique ses mains sur Song Song et très rapidement les blessures de Song Song sont bien moins graves, il est hors de danger. Et donc Song Song dit merci, merci, merci mon bon seigneur, vous êtes bien aimable. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez Song Song à vos pieds. Il va mieux, il est toujours, il est faible, il a perdu beaucoup de sang. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai plus de bébé, je veux bien de l'aide. Quoi? Vartan a dit, déjà, désolé, j'ai tout donné. Oh, c'est pas grave, mon petit chou. Merci. Mais qu'est-ce que t'as vu, Joya? La blessure que j'ai, c'est... Tu peux me qu'est-ce que j'ai vu? C'était une blessure normale, la blessure que t'as eue dans ce combat. Qu'est-ce que j'ai vu? Pourquoi vous l'avez pas vu, vous? Non, mais vous savez pas qu'elle a vu quelque chose, hein. Vous pouvez pas lui demander ce qu'elle a vu. Hein. Moi, j'ai vu mes pieds. Je pense que c'est normal, Stéphane, écoute. Donc, Moi aussi, je vois mes pieds. Des fois, quand on est genre enfoncé dans l'herbe haute et qu'il fait sombre, et ben on voit pas ses pieds. Mais ouais. Oui, mais c'est vrai, ça m'est arrivé plein de fois. Et ça, on le dit pas assez souvent, ça, c'est Gareth qui dit ça, tu vois. Dis ça, franchement. C'est bon, là, je me reconnais avec Gareth. C'est-à-dire, tu dis, c'est pour ça qu'on est amis depuis si longtemps, en fait, avec Gareth. C'est ça, Gareth, c'est pour ça. Et donc Song Song vous dit, écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, mais vous avez l'air tous perturbés. Il y a beaucoup d'ondes négatives, et ça me plaît pas beaucoup. Est-ce que tu pourrais lui demander, Barthélemy, si parce, parce que c'est toi qui as l'amulette, parce qu'il veut pas comprendre ce que je lui dis. Il dit, faites attention parce que votre ami là, il va peut-être cramer la forêt là, il est en train de brûler des arbres. J'avoue, Barthélemy. Mais non, je brûle juste le lapin. Et tu voulais pas brûler la tronac d'arbre enfin, la tronac Non, le lapin. Ah, juste le lapin. Okay. Oui, mais le lapin il est sur une branche. Oui, bah je coupe la branche, je sais pas. D'accord. Okay. Donc, très bien. Je vais lui poser des questions, je vais l'interroger, voir s'il se souvient de quelque chose ou pas. Du coup Raito fait l'intermédiaire. Donc, qu'est-ce que tu lui poses comme question? Ou alors Barthélemy, on s'en fout. Ah, Barthélemy, il a l'air. Salut, c'est plus. Moi, je peux si il faut faire quelque chose. Mais... Donc, de toute façon, vas-y, dis-moi les questions, il y a quelqu'un qui les traduira. Comment vous souvenez quand vous êtes arrivé dans les collines, de base? Quand on s'est rencontrés tout à l'heure? Avant qu'on se rencontre. Vous êtes arrivé là comment? J'étais en train de me balader en forêt. Je faisais ma petite balade. Oui, mais pourquoi? Parce que... combien de temps que vous étiez en forêt? La prostitution... je sais plus... c'est dans mes habitudes, quand je viens dans le nord, je me balade et puis je perds la notion du temps un petit peu, et puis je me balade dans les collines et tout. Vous perdez la notion du temps? Ouais. Donc ça pourrait faire des jours, vous en avez aucune idée? Oui, généralement, je reste quelques jours dans dans cette région et puis à me balader. Ça vous inquiète pas? C'est vrai que des fois j'ai des pertes de mémoire et je sais pas trop pourquoi. Enfin, j'ai et des vous mangez des la dernière, elle vous avez quand? Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que ça a commencé, pardon, ces pertes de mémoire? Déjà, je sais pas comment je suis arrivé ici. Genre, on s'est quitté sur la route tout à l'heure. Moi, j'ai marché, j'ai monté mon campement. En fait, le truc, c'est que j'ai voulu monter mon campement, mais en fait, je sais pas comment faire du feu. Du coup, je me suis dit que j'allais peut-être vous rejoindre, mais après, je me souviens pas du chemin du retour. Mm-hmm. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre à ce moment-là? À quel moment? Je sais pas, une impression... Non, je me sentais bien. Enfin, j'avoue que j'avais un peu les jetons, parce que j'étais tout seul dans le noir, et d'habitude, je voyage pas trop seul, mais... Je crois qu'il n'y a rien à en tirer. Hein. Quelqu'un a d'autres idées de questions là parce que. Ça sent vraiment le gros malade qu'on aurait dû tuer. Hein. Non. Ça sent le mec qui s'est fait posséder. Surtout, ouais. Donc, pour c'est moi, pour ça, ça que c'est intéressant de. Est-ce que vous n'auriez pas rencontré. Quelqu'un, oui. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir rencontré quelqu'un de bizarre à part nous?
Non, vous êtes les gens les plus bizarres que j'ai jamais rencontrés. Non, mais est-ce que vous aviez rencontré quelqu'un d'autre dans ces forêts avant? Bah ouais, je sais pas, on rencontre des gens quand même des fois. Vous avez déjà parlé avec des gens? Oui. Oui. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est vraiment que vous posez la question parce que quand je parle avec quelqu'un, en fait, je remarque un truc, c'est dans ma vie, je parle toujours avec les gens qu'une fois. Je rencontre jamais les mêmes gens deux fois. Ouais, c'est marrant ça. Ouais. Ah, c'est rigolo ça, tiens. Ça serait pas un truc typique d'un mec complètement fou? Là, je retirais la lumelette et moi je dis, moi je crains la malédiction et auquel cas, pas grand monde ne peut y faire. Quasiment personne ne peut rien pour lui. Alors, je vais vous dire un truc. Malédiction, plus facile de s'occuper d'une malédiction qu'un trouble dissociatif de la personnalité. Ouais, si, il y en a un qui s'occupe très facilement, une grosse salle d'or dans le ventre, c'est terminé. Le papy, il va se calmer direct. On fait plus ça comme ça maintenant. On a des asiles pour ça. Mais non, il n'y en a pas encore. Il dit, mais en tout cas, merci de m'avoir soigné, parce qu'en plus, bon, moi je maîtrise la magie, la nature, mais je suis une daube en magie, hein, je sais rien faire. Si on vous redirigeait vers une ville. Bah, Yakuzaï qui est pas loin. On y allait d'ailleurs. Ouais, bah. Ouais, mais pas trop mafieuse. Je pense que il aura moins de chances de faire du mal à des gens s'il reste avec nous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce qu'on peut l'attacher avec des chaînes et un boulet? Oui, la nuit on peut l'attacher, ouais. Et pourquoi vous voulez m'attacher? J'ai rien fait de mal, moi. Ouais, parce qu'on aime bien, on est un peu ça de vous vous souvenez de rien, c'est ça le problème. Bah, il faudrait que je me souvienne de quelque chose? Ça vous paraît pas bizarre de jamais revoir les mêmes personnes plus d'une fois? Bah, non. Vous savez, moi, dans la vie, je pense qu'il faut aller de l'avant. Et moi je dis la vie c'est principalement des rencontres. et il faut savoir effectivement faire la part des choses. Je pense que les gens, enfin la vie met des gens sur notre route et il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Très bien, on peut retourner à la quête principale maintenant. Un peu pour être heureux. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous scénario. L'attachez? Le scénario, il est pas. Oui, on l'attache. Très bien, vous l'attachez. On l'attache près de l'entrée de la ville. Près de l'entrée. Ouais, mais là, vous êtes encore dans la forêt, là. Les mains avec les mains, genre des menottes. Et puis les pieds avec les pieds. Un peu après, genre. Donc, vous l'attachez. Vous l'attachez. Un peu loin de l'entrée. Et non loin de l'entrée. Oui, mais vous êtes dans la forêt. Non, mais on le garde près de nous, sinon on va faire des conneries. Donc, oui, non, mais je veux dire, on l'attache pas non plus en plein milieu de la forêt paumée au milieu de nulle part. Non, mais il est pas attaché au sol, il est attaché. Non, mais il marche avec nous. Sa main gauche. Mais non, mais déjà voilà. Il faut finir la nuit. Eh bien, on lui attache les mains, les pieds. D'accord. Et on lui bande les yeux. On lui bande les yeux, on lui attache à un arbre pour pas qu'il bouge. On le tartine de confiture et on attend la nuit. Très bien. Du coup, je vais aller le voir, je vais lui dire. Mais... Je vais dire mon bon monsieur, malheureusement, cela est probablement indépendant de votre volonté, mais vous êtes sûrement sujet à une sorte de possession ou malédiction. Ça a l'air grave. Vous êtes docteur? Enfin, vous êtes chaman ou oui. Vous êtes druide ou dis comme oui. Ça J'ai surtout vu que vous avez failli tous nous tuer. Oh, ça m'étonnerait, moi je ferais pas de mal à une mouche, moi. Je n'ai pas dit que c'était vous. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais l'enfant le plus gentil qu'ils aient jamais vu. Hein. Je n'ai pas dit que c'était vous ou de votre faute. En fait, ce que je veux dire... C'est ouais, parce que faudrait pas, quand même voir à pas lancer des accusations à tort et à travers, parce que ça va bien 5 minutes. Hein. Bon, je l'ai vu d'une fois. Bayonne-le de votre... Mes parents, mes parents, vous avez raison, mes parents, je les ai vus plus d'une fois. Mais ils sont morts. Et ils sont morts comment? Je sais pas, on m'a dit qu'ils étaient morts. C'est juste après que je me sois fait chasser de mon village natal. En fait, le mec, c'est Son Goku. Enfin, juste avant. En gros, un jour, je suis rentré chez moi et il y a le chef du village qui m'a chassé. Et on m'a dit que mes parents étaient morts.
Et non, le gars c'est split, il a 7 personnes dans sa tête. Bon, est-ce que je peux dormir maintenant? Parce que finalement, attaché à l'arbre, c'est pas si désagréable que ça. J'aimerais bien dormir. Vous m'importunez. Eh ben alors, mec. Donc vous dormez. Vous pour récupérer nos points de vie. Vous pouvez récupérer... Alors, la nuit se passe, vous récupérez un point de blessure. Tout le monde. Et les points de magie. Pas tous ceux qui dorment, oui. Et points de magie, vous en récupérez un des... 4 plus 4. La nuit passe, et le lendemain matin, vous réveillez, sauf évidemment celui qui me finissait la garde, et au moment où vous vous apprêtez à récupérer Song Song, attaché à son arbre, ben vous remarquez que à la place de Song Song se trouve un genre de mannequin de bois qui ressemble à Song Song, mais comme par hasard, qui n'est plus là. Mais mec, s'il avait juste un trouble de la personnalité, il serait pas capable de faire des trucs comme ça. Moi, je pense que de base, c'est un sorcier qui a un trouble de la personnalité qui devient un mec lambda des fois. Non. Non, moi, je pensais surtout comment le mec il est passé mannequin en bois si on a fait des tours de garde, genre. Oui, c'est aussi ça. Non. Alors, justement, effectivement, vous remarquez que. Enfin, personne. Enfin, ceux qui ont fait les tours de garde, personne n'a remarqué le trick. Bon, okay, ça, c'est un problème en moins pour l'instant. C'est genre le scénario. Il faut aller de l'avant, comme il dit. Donc, vous décidez de faire fi de ce qui s'est passé et que si jamais vous le recroisez, vous déciderez de ce qui s'est passé. Si le mec recommence à faire des rituels sataniques, on est mal. Hein. Et vous finissez le trajet jusqu'à Kuzai. Vous arrivez à Kuzai à peu près vers midi. Et donc vous arrivez dans le grand village de Kuzai. Donc Kuzai est, on va dire, la capitale de la région du nord-est. C'est le centre commercial, entre guillemets. C'est là, finalement, qu'il y a un grand marché au centre de Kuzai. Donc vous l'apercevez de loin, ce marché. Et c'est là que les différentes hordes viennent se fournir en denrées alimentaires tout au long de l'année. Et la ville, enfin le village, donc fourmi d'activités. Vous apercevez plein de gens qui marchent dans les rues du village, etc. Vous arrivez donc aux abords du village. Le village n'est pas vraiment défendu ou fortifié ou quoi que ce soit. Hein, c'est très simple. Il y a quelques murs faits avec des rondins, enfin des pics de bois. Vous voyez les rondins, voilà. Mais rien de d'exceptionnel. Lorsque vous arrivez, effectivement, les villageois vous regardent un petit peu bizarrement. Ils n'ont pas l'habitude des étrangers. Mais vous sentez que la présence de Takeo et de Raito à vos côtés a tendance à apaiser les gens qui ne vous agressent pas non plus. Hein, mais effectivement, vous sentez une certaine animosité envers vous. En particulier envers ceux qui semblent être natifs du village. Les visiteurs et autres marchands ont l'air de moins faire attention à vous. Et donc, vous l'avez annoncé, Lai Feng, le village borde une immense forêt, très dense, assez grande. Enfin, assez grande, non, justement, pas si grande que ça, finalement. Aux abords de cette forêt, vous apercevez de nombreux temples, des petits hôtels qui sont disséminés. Alors c'est clairement pas de l'hôtel ou des temples en mode le temple des 8 à Alcabia, à Hoxton. C'est plutôt des petits hôtels en bois ou en pierre, mais vraiment basiques. Voilà, c'est pas du tout la même amplitude. Mais vous voyez des petits hôtels disséminés. Et donc, qu'est-ce que vous faites dans ce... Enfin, qu'est-ce que vous faites? Non. Vous faites rien parce qu'on va voir ça la prochaine fois. Je vais dire. Waouh! Vous êtes arrivé à Kuzai et vous avez donc rendez-vous avec le roi corbeau dans la forêt. Mais bien sûr, vous serez libre de faire différentes choses à Kuzai. Il n'y a pas grand chose à faire à Kuzai, je vous avoue. Mais
Il y a des gens à qui parler, voilà. Peut-être que vous allez croiser Song Song. Qui sait? Justement, je voulais poser des questions sur lui, genre, est-ce qu'il venait de Kuzai par hasard? Non, non, il allait à Kuzai, lui. Il allait à Kuzai, mais peut-être que les gens le connaissent. Peut-être. Peut-être pas. Sur ce, nous allons dire au revoir à nos amis du chat, à nos amis qui nous regardent en rediff sur YouTube, ou voilà. Merci, merci d'avoir regardé. Merci à ceux qui étaient là pour voter dans le chat. Oui, parce que du coup, Song Song, c'était un vote du chat. Ah, c'était Song Song, ça aurait pu être autre chose. Je vous avoue que Song Song, c'était pas forcément le choix le plus sympa du chat. Mais, alors, le chat m'a déçu parce que il y avait un des choix. C'était un personnage extrêmement intéressant qui s'appelait Garretto. Comment? C'était le personnage Garretto, oui, qui était un mec vraiment super sympa qui aurait pu être très intéressant à rencontrer. Mais bon, le chat a décidé que ça allait être Song Song, yeah. Donc Song Song. Song Song, c'est genre Song Song, mais en pas possédé. Non, c'était. Non, c'était un Garrett. C'était Garrett avec les yeux bridés. Ouais, voilà. Oui, donc c'est à peu près pareil. Non, Song Song, il est plus. Il est, Garrett, pas, il est pas dangereux. Garrett, hein. Je raconte. Donc merci aussi à vous d'avoir joué. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien amusé aujourd'hui. On se retrouve donc très vite. Alors, pas demain, mais probablement la semaine prochaine. Pour de belles aventures. Donc pareil, le Discord, Facebook, tout ça, je vous mettrai les horaires de la prochaine partie dessus. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne journée, selon l'heure à laquelle vous regardez ça. Que la chance soit avec vous, je sais pas ce que dire. L'exode, le mot de la fin. Mouchoir. Mouchoir. Salut.